Monsieur Morgan, vous distinguez leur pavillon? C'est un galion espagnol, capitaine. Vous comptez lancer l'attaque dès ce soir? Oui, pour l'amour de mon frère qui repose au fond de l'océan. Que le Seigneur ait pitié de ces Espagnols. Car moi, je n'en aurai aucune. Ils sont à une distance de 4000 et ils se dirigent vers le sud. Très bien, ce qui laisse supposer... qu'ils font cap sur Maracaibo. Donnez les instructions nécessaires pour qu'on puisse lancer l'abordage. Et fermez les écoutilles. Timonier, barre à tribord, toutes! Enfin, un peu d'action! À mon humble avis, les hommes sur ce navire vont passer une mauvaise soirée. D'ailleurs, je doute même qu'il y ait des survivants. Le capitaine est particulièrement remonté. Si je ne m'abuse, il s'agit d'un bâtiment de guerre de la flotte du capitaine Toledo de Maracaibo. Aucun vaisseau sur les mers ne peut résister aux foudres du corsaire noir, aussi robuste soit-il. Je ne donne pas cher de leur peau. Toute voile dehors, vite! Avec une mâture pareille, on devrait vite refaire notre retard. Patience, la fulgurante file comme le vent, on sera bientôt à leur hauteur. Prends la barre. Le capitaine prend la barre. La chasse est ouverte. Une bordée, capitaine? Non, nous ne ferons rien avant le lever du soleil. Mais... vous songez à un abordage? Disons que je ne l'exclus pas. Je vois. Tous debout! Préparez poudre et fusil en vue d'un abordage! Allez, on y va! Baissez-vous. Acceptez ça, capitaine! Il faut riposter! Pas encore! Oh.
Je l'ai tiré à l'un. Notre heure viendra, du calme. Allons-y. Bien, restez tranquille. Comment ont-ils réussi ça? Par tous les requins, je n'ai jamais vu des types aussi chanceux. Cette bande de vénards doit être sous la protection de Belzébuth en personne. J'ai bien l'impression qu'ils ont décidé de filer. J'attends vos ordres. Il n'est pas question que cette bande de couards nous échappe. Je savais que le capitaine ne les laisserait pas arriver à bon port. Tous les doutes sont levés. Nous allons au-devant d'un combat sans merci. Si je me fais couper en deux par un boulet de canon, je veux que ce soit toi qui hérites de tous mes biens. C'est-à-dire... Bon, allez, ne te fais pas prier. C'est quoi ces merveilleux trésors que tu tiens à me léguer, hein? Sachez, monsieur, que je possède deux émeraudes qui valent 400 piastres chacune, cousues dans la doublure de mon pardessus. Ça devrait tout juste suffire à me payer... Laisse-moi réfléchir. 3 jours de beuverie intensive sur l'île de la Tortue. Ça ne tourne pas rond chez toi, hein? Bon, disons 4 jours, alors. Très drôle. Quoi qu'il en soit, moi aussi, je tiens à être grand seigneur, si tu le permets. S'il m'arrive malheur, tu hériteras des doublons cousus dans ma veste. Il y en a 3. Tu es un prince, Steeler. Je boirai un tonneau de rhum brun à ta mémoire avec ça. Je savais que ça réveillerait le petit soifard que tu es. Le hic, c'est que Steeler doit mourir pour qu'on fasse main basse sur ses doublons. Tu es prêt à lui donner le coup de grâce? Je te laisse t'en charger. Je vous remercie, les amis. Me voilà entièrement rassuré. Je vais pouvoir mourir le cœur léger. Paré à l'abordage. Monsieur Morgan, faites hisser notre pavillon sur le grand mât, je vous prie. Pourquoi le capitaine a demandé à ce qu'on fasse ça, Carmo? Nous serions perdus si un boulet ennemi venait à emporter ce mât. C'est un symbole. Il n'y a pas d'alternative. Ce sera la victoire ou la mort.
Assurez-vous que tout le monde ait une gaffe ou un grappin. Sonnez. Suivez-moi. Allez, lancez les grappins. Yeah!
Le sang par plaisir. Déposez les armes, je ne tiens pas à voir mourir tant de combattants valeureux. Je n'ai qu'une parole, rendez-vous et il ne vous sera fait aucun mal. Alors, quelle est votre décision ? Il ne nous reste plus qu'à nous incliner devant les vainqueurs. Vous pouvez récupérer vos sabres. Quiconque défend ces couleurs aussi fièrement mérite toute mon estime. Votre bonté vous honore, capitaine. Faites-leur préparer deux canots de sauvetage et donnez-leur de l'eau et des vivres pour une semaine. Au nom de l'équipage de la frégate Coruña, je tiens à vous exprimer de sincères remerciements. Nous n'oublierons pas votre geste envers les troupes ennemies. D'où est-ce que vous arrivez ? Nous avons quitté le port de Veracruz il y a de ça 3 semaines. Je vois. Et où alliez-vous ? Maracaibo, capitaine. Dans ce cas, le gouverneur doit attendre votre venue, j'imagine. À vrai dire, je n'en sais rien. Il n'y a que le capitaine qui aurait pu vous renseigner. Bien, dans ce cas, bon vent. Vous et vos hommes êtes libres. Je dois vous informer que nous n'étions pas seuls sur ce navire. Vous avez des prisonniers ? Non, des passagères. Un aristocrate de Flandre et ses dames de compagnie. Qu'à cela ne tienne, elles voyageront avec nous jusqu'à l'île de la Tortue. D'ici notre arrivée, je consulterai mon équipage pour fixer le prix d'une rançon, et elles pourront acheter leur liberté si tel est leur souhait. Maintenant, laissez-nous. J'espère que vous atteindrez les côtes en vie. Mille merci, capitaine. Voilà, ça devrait rapidement soulager tes douleurs. Appuie-toi contre la rambarde. Je te félicite, Moko. Tu as survécu à ton baptême du feu. Je suis fier d'avoir participé, capitaine. Parle les 10 000 puces du dodo poupe. Qu'est-ce que c'est que cette charmante créature? Oh.
Qui êtes-vous, monsieur? Le corsaire noir, chère madame. Auriez-vous l'amabilité de me dire ce qui s'est passé à bord de ce navire? Eh bien, qu'en est-il? Nous l'avons attaqué, abordé et réquisitionné. Les Espagnols ont fui, vous êtes seul à bord. Puis-je connaître votre véritable nom? Emilio de Rocanera, seigneur de Vintimille. Mais ça, c'était dans une autre vie. Pourquoi? Pourquoi ont-ils fui? Ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Sur moi. Alors faites bien attention à vous. Mon bon monsieur, vous êtes non seulement le mal incarné, mais vous semblez avoir une très haute opinion de vous-même. Peut-être, oui, mais les apparences sont trompeuses. Parfois.